Bonjour à tous et bienvenue sur C17 et nous nous trouvons devant la gare avec Michel Cagnot, monsieur rail de C17. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel Cagnot, vous avez écrit votre livre La Via Atlantica Ferroviaire et surtout recoudre la France et unir les Européens. Alors on est en pleine période de la reconstruction européenne ferroviaire. Oui, tout à fait. Alors ce livre Via Atlantica Ferroviaire, donc aux éditions L'Harmattan, disponible sur commande dans les librairries, dans les bonnes librairies, a plusieurs objets. Il a déjà un objet de familiariser le lecteur et monsieur tout le monde à la chose ferroviaire. Parce que souvent le problème, c'est que les gens ne s'intéressent pas aux ferroviaires où ils voudraient des trains, mais ils ne se mobilisent pas parce qu'ils disent ça c'est l'affaire des techniciens. Et dans ce livre, ce que je veux, c'est montrer qu'avec un minimum d'informations, on peut participer au débat parce que la technique, ce n'est pas le problème. Ce que l'on veut, c'est le produit final. Et le produit final, eh bien, tout le monde en est propriétaire. Je veux dire, tout le monde en a besoin pour sa vie quotidienne. Donc là-dedans, c'est recoudre la France parce qu'effectivement, on a bien vu que le réseau ferroviaire s'est amoindri. Il y avait plus de 50 000 km à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et on est à 27 000 km. Je ne dis pas qu'il aurait fallu garder toutes les lignes, mais néanmoins, on a vu beaucoup de lignes qui ont été massacrées. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que, alors qu'on était, le réseau français était le meilleur des réseaux européens dans les années 70, 80, et bien maintenant, on est à la lanterne rouge, parce que faire des trajets, hormis aller à Paris, dès qu'on veut s'éloigner de Paris, et bien c'est très compliqué. Donc, recoudre la France et aussi unir les Européens, parce qu'effectivement, le train est encore un vecteur d'unification, de pays, de continents. C'était le cas au 19e siècle, mais aujourd'hui, c'est encore le cas, parce qu'effectivement, quand on monte dans une gare, on est pris en charge et on peut aller à l'autre bout de l'Europe, voire au-delà. Donc voilà pourquoi ce livre est important. Voilà pourquoi, si l'on veut vraiment que le train se développe, parce qu'il y a beaucoup de discours, mais au-delà de discours, il faut des mobilisations. Et c'est pour ça que le dernier chapitre, il s'appelle « Mobilisation générale », parce qu'effectivement, il faut arrêter ce gâchis. C'est-à-dire, il faut aller au-delà des discours. On est trop souvent dans le discours. Alors aujourd'hui, on a le président de la SNCF qui dit qu'il veut doubler le trafic de voyageurs et marchandises. Mais il faut voir qu'on revient de loin. Par exemple, le Grenelle de l'environnement, à une époque où le trafic marchandises représentait 17% de part de marché, prévoyait en 2022, c'est-à-dire cette année, d'arriver à 25%. Or, cette année, on est arrivé glorieusement à 9%. Donc, vous voyez, voilà. Donc, il en manque, comme on dirait. Et c'est pour ça qu'à un moment, je pense que s'il n'y a pas une mobilisation des citoyens, eh bien, la technostructure, les politiques vont continuer à nous amuser par des discours, mais ne vont pas prendre les bonnes décisions. Donc c'est pour ça que je ne peux que recommander la lecture de ce livre et de se mobiliser. Alors il y a plusieurs niveaux dans le chemin de fer, il y a les grandes distances, et la Via Atlantica qui ambitionne de relier la façade atlantique à Lyon sans passer par Paris, c'est la grande distance. Mais il y a aussi ce qu'on a appelé les petites lignes, mais c'est ce qui sont les lignes de desserte fine du territoire qui méritent certaines d'être réouvertes, d'autres d'être redéveloppées. Mais à partir d'un projet territorial, c'est-à-dire l'idée n'est pas de réouvrir une ligne pour réouvrir une ligne, c'est participer à l'animation du territoire. Et je dirais que la Via Atlantica, c'est en fait la structuration avec cette ligne qui relie la façade atlantique à Lyon sans passer par Paris, c'est le plus grand projet d'aménagement du territoire jamais pensé. C'est-à-dire que ça concerne quatre régions, Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est structuré par cette Via Atlantica. Et donc, c'est important que les gens, à une époque où aujourd'hui on cherche beaucoup de sens à la vie et on a l'impression qu'il n'y a plus de sens, on ne sait pas où on va, tout ça, et bien justement, ça représente 50, ce triangle Bretagne, Pays Basque, Alpes, représente 50% du territoire. Et bien, c'est un moyen de donner la parole et de faire en sorte que chaque citoyen de ce triangle puisse co-construire ce triangle. Donc c'est un grand projet d'aménagement du territoire, et je regrette qu'aux dernières élections présidentielles, personne ne se soit emparé de ce sujet. Par exemple, le thème des fractures territoriales aurait été un bon thème, parce qu'à partir de là, on développe pouvoir d'achat, justice sociale, voilà, aménagement du territoire. Oui. Tout est impliqué, imbriqué. Michel, je voudrais qu'on parle aussi de Trenitalia, qui est le premier opérateur européen à faire son entrée en France et qui propose bien sûr des tarifs. Que fait la SNCF ou que fait la France ou que fait
Que font les territoires ? Alors, c'est vrai qu'on est confronté à ce qu'on appelle la complémentarité de l'offre. L'idée, ce n'est pas de faire de la concurrence. L'idée, pourquoi il y en a d'autres qui viennent, qui essayent de venir sur le marché français, comme la SNCF est allée sur les marchés extérieurs, c'est simplement pour augmenter les capacités ferroviaires. Et on a vu, par exemple, Trenitalia a été mise en concurrence, a été en concurrence avec Tello, une société italienne sur l'axe majeur Turin, Milan, Rome, Naples. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Tello a proposé avec un matériel nouveau, construit du reste par Alstom, la GV, automotrice à grande vitesse, a mis en place une offre très impressionnante avec une desserte très étoffée et donc qui a obligé Trenitalia aussi à se réformer. Et c'est pour ça que Trenitalia, en se réformant, ça lui a servi, puisqu'effectivement Trenitalia vient sur le marché français. Ils viennent sur le marché français. Alors aujourd'hui, ils font deux allers-retours Paris-Milan et 5 allers-retours Paris-Lyon. Et donc, ils proposent des prix attractifs, effectivement, mais ils viennent encore une fois, non pas concurrencer la SNCF, mais complémentariser, viennent en complément, si vous voulez, de l'offre SNCF. Et l'on voit que quand il y a, par exemple, quand la SNCF ne fournit pas assez, c'est pour ça qu'elle a décidé d'investir dans des nouveaux TGV, on voit que d'autres sont capables et ont envie de combler les trous que laisse SNCF. Je prendrai un exemple. Par exemple, pour aller de Rennes à Bordeaux, aujourd'hui, nous avons demandé officiellement dans l'association dont je suis vice-président, à l'association Logistique Transport Ouest, de créer des liaisons Rennes-Bordeaux via Rennes, Angers, Tours, Bordeaux. C'est en utilisant au maximum les infrastructures existantes, qui seraient réalisables en 3h15. La réponse de la SNCF, c'est de dire, mais non, mais vous n'y pensez pas. On a, au contraire, nous, on vous propose des Rennes-Bordeaux avec une bonne correspondance à Paris. Sauf que les gens mettent plus de temps. Et surtout, le prix est important puisqu'on paye deux fois le TGV. On fait Rennes-Paris plus Paris-Bordeaux. Donc, on a des prix de TGV qui sont aux alentours de 130 euros. Et donc, que fait le citoyen ? Eh ben, il prend sa voiture. Voilà. Et c'est vraiment très, très, très embêtant alors que le réseau ferroviaire est ouvert à tous. Et vraiment, on peut aller dans toutes les régions, dans toute l'Europe. Oui, tout à fait. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, quand même, dans les discours politiques, le train revient en première place. Mais alors, si effectivement les autres pays européens se sont mobilisés, on voit que la France quand même traîne les pieds. Alors il y a toujours des annonces, on va d'annonce en annonce, mais on voit qu'au quotidien, c'est pas ça. On voit que c'est très compliqué, encore une fois, de se développer, de se déplacer dès qu'on veut aller ailleurs qu'à Paris. Hein, par exemple, pour aller aujourd'hui, si on veut aller de La Rochelle à Brest, on met plus de temps qu'en 1938. Voyez, donc c'est ça qui est un peu terrible et c'est ça qu'il faut. Mais encore une fois, je pense que ça sera possible de faire du ferroviaire au service des citoyens si les citoyens se mobilisent. C'est-à-dire, on est dans un pays où malheureusement, quand on discute calmement, on a du mal à obtenir les choses. De temps en temps, il faut un peu élever la voix pour se faire entendre. Et aujourd'hui, vous savez, quand par exemple on ferme une ligne dans une ville de 9000 habitants et qu'il y a 40 manifestants, eh bien, le choix est vite fait et les politiques disent on ne va pas se battre, ça ne vaut pas la peine. Donc encore une fois, mobilisation des citoyens qui veulent se déplacer, qui veulent se libérer un peu de la dictature de la voiture, puisqu'aujourd'hui, finalement, on a vu, bon, là, l'essence et le prix de l'essence est en train de retomber, mais on sait très bien qu'à terme, bon, on est fragilisé. Donc ce qu'ils veulent, les gens, c'est bien, ils sont prêts à laisser la voiture, mais à condition d'avoir des offres adaptées, des offres crédibles qui permettent de leur faire oublier la voiture, justement. Michel Cagnot, on vous adore, on vous écouterait pendant des heures, la connaissance, et puis merci beaucoup pour ce petit point. Donc le livre, hein, je recommande la lecture, vous pouvez le montrer là. On le montre à la caméra. Ah bon, d'accord, donc Via Atlantica Ferroviaire, et là je, c'est pas pour, bon, de toute façon, c'est vraiment pour dire, voilà, si vous voulez participer au débat transport, si vous voulez qu'il y ait plus de trains, qu'il y ait vraiment qu'on vous écoute, il faut se mobiliser et donc participer aux débats qui peuvent avoir lieu ici ou là. Merci beaucoup Michel Cagnot. À bientôt sur C17. À bientôt, au revoir.